Bonjour, donc nous allons voir aujourd'hui comment trouver des suggestions de mots-clés grâce à l'application en ligne ubersuggest.org. Donc là, je suis déjà sur l'application en elle-même. Donc il vous suffit de suivre le lien que je vous ai mis dans l'article. Donc comme vous le voyez, c'est un outil qui n'est pas francophone. Alors, si vous ne comprenez vraiment rien à l'anglais, je vous invite à passer par le navigateur Chrome qui vous proposera la traduction en français. Ou sinon, bon, c'est pas bien compliqué, hein. Il y a juste un champ à remplir, celui-ci où vous mettez votre mot-clé. Donc là, on va reprendre l'exemple de notre fleuriste à Reims. Donc, vous voyez, moi, j'avais déjà fait la recherche, donc voilà, je le fais là. Vous mettez bien en français, hein, puisque c'est bien le cas. Et là, vous avez ici plusieurs propositions, donc web, images, news, shopping, vidéo. Ça, on pourra le voir par la suite, ça pourrait être intéressant. Mais pour le moment, comme on reste sur du référencement basique, on va partir sur web. Et ensuite, vous tapez donc le CAPTCHA. Hein, ça, c'est pour éviter que des robots s'en servent et mangent inutilement des ressources en ligne. Donc voilà. Et vous cliquez et vous allez voir. Donc, on voit qu'il y a 128 suggestions trouvées et donc qui sont classées en fonction de l'alphabet. Donc, en fait, on retrouve un peu ce que je vous ai montré auparavant avec la recherche sur Google. Vous voyez donc, bon, ben ça c'est la base. Donc, on retrouve Avenue de Laon, Avenue de Brabant, comme on avait vu sur Google. Mais vous voyez, on a d'autres. D'autres suggestions, donc c'est pour ça que c'est important de faire les deux parce que Barsuggest malheureusement ne vous donnera pas de résultats sur certaines recherches. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.